Bonjour à tous, je suis Cynthia Ménard, hypnothérapeute au centre Omnisoins d'Hénin-Beaumont. Je propose aujourd'hui de vous installer confortablement, peut-être sur un fauteuil, peut-être sur votre lit. En tout cas, être bien. Profitez de cette parenthèse pour vous installer confortablement à l'intérieur dans votre bulle, votre cocon, où personne n'a besoin de rien. Où tout est agréable. Pouvoir vous permettre le temps d'un instant d'apaiser le mental. Cette sensation particulière, agréable, qui est parfois difficile au début de pouvoir mettre le mental de côté. Pendant que vous êtes confortablement installé, peut-être êtes-vous encore en train de chercher la meilleure position. Autorisez-vous pendant cette parenthèse de pouvoir vous réinstaller si besoin pour encore plus de confort. Pouvoir laisser complètement le corps se relâcher, s'enfoncer sur le support. Peut-être même prêter attention ou sentir la texture. Peut-être est-ce assez ferme ou assez moelleux. Aussi, tout ce qui vous intéresse vraiment en ce moment, c'est de pouvoir suivre le son de ma voix qui vous accompagne. De plus en plus agréablement, comme la musique. Peut-être quelques bruits autour de la nature ou tout autre agréable, peut-être qu'ils permettent de percer ou de s'installer encore plus agréablement et encore plus profondément dans sa bulle. Vous pouvez même faire l'expérience de remarquer que les bruits peuvent complètement rester à l'extérieur, sans avoir besoin d'arriver jusqu'aux oreilles. Vous allez pouvoir prendre trois grandes respirations, faire ces trois respirations au rythme où je vais vous accompagner. Vous allez pouvoir commencer par vider les poumons, et puis ensuite inspirez profondément, gonflant bien le ventre, puis le thorax, jusqu'aux poumons, soulevant bien les épaules. Et vous allez pouvoir retenir l'air quelques instants, pour ensuite pouvoir vider en sens inverse, un peu comme si vous étiez un sac ou toute autre chose, voire en expirant, relâchez les épaules, le thorax et puis le ventre. Et pouvoir faire trois fois sa respiration complète à votre rythme. Toujours en inspirant, gonflant bien le ventre, le thorax, puis les épaules, en bloquant l'air le temps d'un instant.
Et puis en expirant complètement en sens inverse, les épaules, le thorax, le ventre. Pouvoir à votre rythme. Peut-être êtes-vous déjà à la deuxième, presque à la troisième, peut-être avez-vous déjà terminé. En tout cas, quand c'est le cas, vous pouvez simplement aller tranquillement, agréablement, dans cette parenthèse. Peut-être profondément à la prochaine inspiration et pouvoir laisser votre respiration naturellement, sans effort, sans y penser, comme lorsque vous dormez par exemple, il est automatique. Puis en inspirant, vous imaginez que vous recentrez toute l'énergie à l'intérieur de vous. Commencez tout doucement à vous recentrer. Puis maintenant, vous allez expirer. Et à l'expiration, vous allez prêter attention au battement de votre cœur. Au battement de votre cœur. Doucement, vous écoutez, vous respirez tout doucement. Voilà. Pouvoir ressentir tout ce qu'il y a à ressentir, ou même peut-être entendre tout ce qu'il y a à entendre. On n'a absolument pas besoin de voir pour voir dans ses yeux fermés. Peut-être simplement lueur, luminosité ou peut-être lumière. À moins que vous préfériez vous évader par la pensée, peut-être dans un beau souvenir, peut-être dans un paysage en particulier ou peut-être tout autrement. Quelconque endroit, vous imprégnez de tout ce qui est là, tout ce qui s'amène, tout ce qui s'offre à vous. Peut-être même jusqu'aux sensations de votre corps, peut-être des sensations dans les mains par exemple, peut-être des chaleurs ou de froid. Peut-être de picotements, de fourmillements, de choses, en tout cas, agréables. Tranquillement, simplement, profitez de ce moment où il n'y a rien à faire. Vous n'avez absolument rien à faire. Vous n'avez pas même besoin de vous concentrer. Juste laisser faire, laisser aller. Bien souvent dans la journée, on respire sans trop y prêter attention. Le souffle est naturel. Aujourd'hui, là, vous allez pouvoir porter toute votre attention sur votre respiration. Allez-y maintenant, posez-vous et vous allez inspirer maintenant en recentrant votre énergie. Vous inspirez et vous ressentez votre énergie.
énergie à l'intérieur de vous. Cette pression que vous avez tout à l'heure, qui était là, commence à s'apaiser doucement, à son rythme, à sa façon. Cette pression intérieure va se poser calmement. Au fur et à mesure de votre souffle, vous vous autorisez à vous laisser aller de plus en plus. Et maintenant, la prochaine inspiration, vous allez vous recentrer totalement à l'intérieur de vous. Prochaine expiration, vous allez continuer d'écouter les bruits intérieurs de votre corps, à moins qu'il ne s'agisse des battements de votre cœur, par exemple. Inspirez maintenant. Ressentez chaque sensation de votre corps. Sentez-en tout le bien-être. Expirez en soufflant tout doucement, profondément. Et la pression s'en va petit à petit jusqu'à être bientôt totalement. Les idées de la journée également, tout ce qui parasite, tout ce qui tourne là, ici ou ailleurs, autour ou à l'intérieur, peut-être à l'extérieur. Pouvoir imaginer faire comme si tous ces parasites, pensées négatives, toutes ces choses qui tournent là en ce moment, imaginez comme si elles étaient soufflées par le vent dans un beau ciel bleu, par exemple. Vous pourriez très bien imaginer, par exemple, les mettre dans une boîte et puis la jeter. Ou tout autrement, simplement laisser faire. Laisser faire. Profitez, appréciez. Vous n'avez absolument pas besoin de voir les images dans vos yeux fermés. Pouvoir inspirer. Et puis porter toute votre attention sur toutes ces sensations agréables à l'intérieur, peut-être simplement profiter également de la luminosité à travers les yeux fermés, peut-être cette sensation extrêmement agréable des paupières posées simplement sans forcer sur les yeux fermés. Et puis
inspirez, ressentez comme à chaque fois que vous inspirez, ressentez qu'il y a une partie de vous qui existe là, quelque part, qui est pure, qui est calme, tranquille. Un peu comme relier à tout ce qui existe de positif, d'agréable. Profitez de chaque instant, de chaque seconde, chaque sensation, chaque ressenti, pouvoir accueillir tout ce qui est agréable, pouvoir laisser de côté tout ce qui pourrait déranger, par exemple, ou tout ce qui pourrait être inutile. Imaginez par exemple comme si vous étiez à la mer ou peut-être à la montagne, comme si vous inspiriez un grand bol d'air frais, peut-être simplement au bord d'un lac. Je me demande quelle température il fait, quel endroit vous avez là dans vos pensées. Cette idée ou pas, c'est vous qui choisissez, qui décidez. Peut-être même remarquez comme le corps est peut-être encore plus enfoncé que tout à l'heure sur le support sur lequel vous êtes installé. Peut-être que ce sont les épaules qui sont plus relâchées que les jambes. Que ce soit les mains, peut-être la tête, je ne sais pas, ça n'a pas d'importance. Simplement vivre votre corps, vos pensées dans leur totalité. D'imprégner de les sensations, pouvoir les accepter. Vous pouvez sentir ou imaginer ou ressentir tout ce qu'il y a à ressentir, prendre le temps d'écouter votre corps. Peut-être des images ou des idées qui viennent, peut-être tout autre chose, mais simplement vous les accueillez sans les chasser, sans vous concentrer dessus non plus. Vous laissez faire, vous lâchez prise. Pendant que peut-être toutes ces choses-là continue de sortir complètement. S'éloigner de plus en plus de vous. Juste laisser faire cette partie qui sait tout. Votre allié. Plus de confort, de bien-être, de repos intérieur, de pouvoir être plus serein face au quotidien.
choses qui vous appartiennent. Ressentir comme si, peut-être voir, imaginer, une belle lumière violette. Pourquoi pas toute autre chose, d'une toute autre couleur. En tout cas, une lumière puissante, réparatrice, ressourçante. Comme si toutes ces sensations agréables étaient réunies, s'intensifiaient encore plus dans cette lumière ou dans cette couleur qui s'installe au plus profond de vous. Un peu comme si, par exemple, vous jetiez un caillou dans un lac. Ce caillou s'installe et s'enfonce profondément au fond du lac. Toutes ces sensations, tous ces ressentis, toutes ces choses positives, agréables, peut-être apaisantes, sécurisantes ou ressourçantes, vont continuer dans les jours qui viennent à s'installer profondément au fond de vous. Pendant que maintenant vous allez revenir là, doucement, en inspirant et puis en expirant. Également en vous remerciant, vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.